Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur cette nouvelle diffusion sur le jeu Hitman 3. Alors, voilà, c'est rien. Je terminais une chose. Donc, comme tous les mois, quasiment une nouvelle cible fugitive. Et cette fois-ci, c'est l'iconoclaste où on va devoir assassiner un assassin rival. Voilà, et tout ça va se passer dans le niveau de Mendoza, qui est un très grand vignoble, je le rappelle, qu'on a vu dans ma partie normale de Hitman. Et du coup, pour commencer, on va regarder le briefing. Good morning, 47. Your target is Joanne Bayswater, a rogue assassin banished by... How shall I put it? One of our competing agencies. For many years, she was one of their top operatives. However, her self-confidence led to arrogance, putting civilians' lives at risk. Her handler, believing she was becoming a hazard, brought it up with the board. Miss Bayswater did not take well to this betrayal, and went out of her way to seek revenge on the one she felt had stabbed her in the back. Now she has broken free and set up her own business as a final insult to our client, destroying the natural order. They have made multiple attempts to get rid of her, but she is always one step ahead, and this is why they have turned to us. They might be too proud to admit it, but they need the best. One does not defy the gods without consequences. Good luck, 47. Donc voilà, alors du coup, de ce que j'ai compris sur le briefing, il faut l'empoisonner et éviter de se faire repérer justement parce qu'elle connaît l'agent 47. Voilà. Alors, renseignement, comme beaucoup d'autres agents, le dossier a été dernièrement censuré. C'est bon. Oui, bon, elle n'a jamais réclamé héritage de ses parents. Ok. Donc, préparation. Est-ce que je peux... Je peux commencer dans le vignoble directement. Ce qui peut être extrêmement intéressant. Objet de contrebande. Le hangar à bateau. Ouais, celui-ci, ça sera bien. C'est celui qui peut être dissimulé, c'est ça, ouais. Ouais, c'est ça. Ok, je vais prendre un... Alors, c'est... Flacon de poison mortel. Voilà, c'est ça qu'il faut. Je vois pas trop la différence entre les flacons de poison et les pilules. Voilà. Alors je rappelle, étant donné que c'est une cible fugitive, voilà, si je meurs, c'est terminé. Vous devez commencer le contrat avant la fin du compte à rebours. Ok. Une fois que vous avez rempli le contrat, quitter la mission avec succès. Ah, parce que le temps il est compté quoi. J'espère que je vais m'en sortir et que je vais pas faire de bêtises. Par contre, j'ai pas l'impression que le truc soit lancé quoi. Welcome to Argentina.
Joanne Bayswater is currently attending a party at Vignedo Yates to get clients for her new agency. Bad for our client, and bad for us. Unfortunately, we were unable to obtain an invitation for you, so you will need to be creative. And remember, Ms. Bayswater is a professional. She knows that mingling in the crowd keeps us safe. Good luck, 47. De passer ici, d'accord. Sauf qu'en bas, je me ferai vite repérer. Pas voir mes pièces. Pas quelqu'un qui se traîne comme dans le coin. Dans la dentelle, comme qui dirait.
ça, ce sont les serveurs. Briser la nuque, mais bon, tant pis. That is Joanne Bayswater, rogue assassin. She is one of the best, and it is a mystery that she has never been on our radar until now. You need to be careful with this 147. Je peux pas ouvrir.
voilà, il y a d'autres bouteilles là ici. Descendu, ouais. Je sais pas où les repasser. Ah bah voilà. Hop là. Ah, no. Wonderful. I'd love a glass. I've heard so many good things about this wine. Thank you.
du coin là, mais. Objectifs. Zut. Y a rien qui précise qu'il faut la tuer en empoisonnant la nourriture. Hein. Se fait tuer. Bon, bah, c'est tout. Un fusil sniper. Shuriken. No.
truc, c'est que je suis pourchassé. Je fais vraiment du n'importe quoi, j'y arrive quoi, c'est... c'est hallucinant. Bon bah le plan B il aura fonctionné quoi. Il aura mieux fonctionné que le plan A. C'est une petite victoire, dirais-je. J'ai déjà fait beaucoup mieux, mais bon, c'est tout, c'est pas grave. Je fais avec. Voilà. Du coup, j'espère que cette vidéo vous aura quand même plu. Bon, moi je suis un peu frustré là, mais bon, c'est tout, c'est pas grave. Il y a des jours comme ça, hein. Du coup, bah, toujours aucune défaite sur toutes les cibles fugitives, du moins depuis la sortie de Hitman 3. Donc on verra bien le mois prochain ce que ça va donner. Voilà. D'ici là, je vous remercie de m'avoir suivi, et je vous souhaite un très bon après-midi, et je vous dis à très bientôt. Au revoir.